dans... C'est une... Oula, on démarre très fort. C'est une fille de Saint-Dessin avec une mère par network. Eh oui, Saint-Dessin, un des meilleurs étalons d'Europe. Actuellement, perd lui-même des talons aujourd'hui. Platine a gagné à Fontainebleau et s'est également placé troisième de deux belles courses à Auteuil. Et Pierre Cyprès, elle a déjà donné naissance à trois vainqueurs. Vedettaria, le premier d'entre eux, à la Virco. Lauréat à trois reprises. En Irlande, il avait aussi gagné une discipline très importante en Angleterre et en Irlande à quatre reprises avant de passer dans le registre des courses. On a aussi Bénévola, dont Alcourt, qui a gagné deux courses, notamment le prix Adrien Bénoin à Auteuil. Voilà, on peut marcher, après on va trotter, puis après on va reposer le cheval. Alors pour les néophytes, je précise, je rappelle, je le rappellerai sans doute tout à l'heure cet après-midi quand il y en aura plus, que c'est un concours de modèles et allures. Alors moi, je vais beaucoup vous parler du pédigré, mais les juges, eux, n'ont pas le pédigré sous les yeux. Ils ne sont là pour juger le modèle et les allures. Et les allures, c'est très important parce que le physique, une fois que le cheval est posé, c'est là où on juge purement le modèle. Et puis après, le cheval, le mouvement, on le juge de ses allures. Ce sont des animaux de compétition dont la capacité de mouvement est évidemment essentielle pour leur avenir. Voilà, nous avons fait le petit tour au pas. Et maintenant au trot avec Thibaut, qui a un fier allure lui également, qui présente le cheval au trot, poursuivi par sa mère, comme depuis sa naissance finalement, avec un fouet autoritaire. Voilà le cheval au trot, bien en ligne. Et nous allons le reposer une dernière fois devant les juges. Vous voyez un drôle de personnage à casquette qui court après le cheval, et bien c'est tout simplement notre caméraman, Yannick, puisque...